Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Zchut ou le Ben Zachar à Rivka, Bat Martin, Myriam et son mari Yochai, Nathaniel Ben Clara et à Léa Rachel, Bat Simcha et son mari Daniel Ezer Yaakov, Ben Joel, Yoel, Ataïta. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perikret, Mishnah Gimel. Bnot Tselofchad Natlu Shlosha Chalakim Bena Chala. Chelek Avihen, Shayaim Yotze Mitzrayim. וחלקו עם אחיו בנכסי חפר, ושהיה בכור נוטל שני חלקים. On traduit et on explique ensuite. Bnot Tselofchad, les filles de Tselofchad. Dans la Torah, il y a quelqu'un qui s'appelait Tselofchad ben Khefer. On va expliquer ensuite c'est qui. Alors, ces filles-là ont pris Shlosha Chalakim ben Achala. Ont pris trois parcelles dans l'héritage d'Israël. Chelek Avihen. La part de leur père, parce qu'il était lui aussi et quelqu'un qui est sorti d'Égypte, et la part de leur, de leur père toujours, donc la part de ce Khefer, la part de Tselofchad, et la part de Tselofchad avec ses frères dans les biens qui appartenaient à Khefer, et en plus de ça, ce Tselofchad était l'aîné qui devait prendre deux parts. Vous avez sûrement rien compris, ne vous inquiétez pas, moi non plus avant que j'étudie cette Mishnah. C'est pas compliqué. C'est d'abord un petit peu d'histoire. Il y avait dans le désert quelqu'un qui a transgressé le Shabbat, il était Mekoshechetzim, il a ramassé des bois dans le champ, ou plusieurs avis dans la Gemara, quelle était exactement sa faute. En tout cas, ça c'était Tselofchad ben Khefer. Et il a été lapidé dans le désert. Les filles de Tselofchad sont ensuite venues se plaindre à Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, nous on a un problème. Le nom de leur père va disparaître à tout jamais. Ils vont entrer en Eretz Israël. Les filles ne reçoivent pas de parcelles en Eretz Israël. La Torah l'a donnée juste aux hommes. Départ. Et il s'avère que leur père est décédé dans le désert. Et elles vont plus, il n'a pas laissé d'enfants, il n'a pas laissé de garçons, il a laissé que des filles, et son nom va être oublié, et elle réclamait une parcelle. Et Moshe Rabbeinu là-bas, la paracha, c'est grâce à par leur mérite, la Gemara explique, par leur mérite, qu'Hachem a dévoilé une paracha de l'héritage, c'est-à-dire, si elles n'étaient pas venues se plaindre, de toute façon Hachem aurait donné cette halakha, mais puisqu'elles avaient beaucoup de mérite, ces filles-là, alors on a fait en sorte que toute cette paracha de Nachalot, elle a été appelé à leur nom. Peut-être d'une certaine manière, ça a permis à leur père de laisser une trace éternelle que dans toutes les générations, quand on étudie Baba Batra, on arrive dans cette sougueuse de Tselofchad ben Khefer. Toutes les nachalot, tous les héritages, on les apprend là-bas. En tout cas, concrètement. Donc elles ont une semaine, elles ont eu gain de cause. Alors maintenant, notre Mishnah va venir nous dire quel gain de cause exactement elles ont reçu. Et pour ça, il va falloir maintenant faire deux petites introductions. Une d'abord historique. Vous savez bien que les hommes qui sont sortis d'Égypte ne sont pas ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. Il y a eu depuis la faute des Meraglim, les explorateurs, Hachem a décrété que tous ceux qui sont sortis d'Égypte vont tous mourir dans le désert, et ce sera leurs enfants qui rentreront en Eretz Israël. Ça, c'était une donnée historique. Maintenant, à part ça, de quelle manière on hérite la terre d'Israël? Alors, ce n'est pas que lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, on a dit « Ah, il y a tant de juifs, on a partagé la terre en 600 250 ». On va partager en 600 250 parts, peu importe, ouais, je donne un chiffre comme ça. Et on va... Non, ça ne se passe pas comme ça, on ne partage pas, on part et on donne directement. Il y a plusieurs avis dans la Gemara, comment est-ce qu'on fait. Il y a d'un côté, la Torah elle dit qu'il faut attribuer la terre à ceux qui entrent en Israël. Mais en réalité, la Torah elle nous dit qu'il faut donner l'héritage de la terre à ceux qui sont sortis d'Égypte. Il y a plusieurs avis. Concrètement, notre Mishnah va selon un avis, si je ne me trompe pas, Rabbi Yoshia, si je ne me trompe pas. En tout cas... si ça vous intéresse, je le cherche une seconde. Rabbi Yoshia, exactement. C'est Rabbi Yoshia qu'il pense que le jour de la sortie d'Égypte, il faut partir voir quels sont les hommes de plus de 20 ans jusqu'à 60 ans qui sont eux sortis d'Égypte. Et on va leur attribuer à chacun d'eux une parcelle. Vous imaginez le brassage qu'il va y avoir pendant 40 ans. Il y a des familles entières qui ont disparu. Il y a de la tribu de Binyamin. On se retrouve qu'ils étaient 10 frères à sortie d'Égypte, il n'en reste plus que 5 quand ils rentrent en Israël. Vous imaginez le pactole que ça fait pour les frères qui sont restés. Il y a eu d'autres tribus, au contraire, c'était les Bnei Yosef, où ils sont sortis en peu d'effectifs, mais ils avaient une belle bracha, les enfants de Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, ils étaient protégés des yeux, et donc ils
ils se multipliaient beaucoup. Ils ont eu beaucoup d'enfants avec peu de terre. Il y a des solutions, il y avait plein de problèmes quand on a hérité la terre. Tout n'était pas aux roses depuis le début. Il y avait quand même une bonne entente. On avait malheureusement, nous on avait Yoshua, on avait l'Enevi'im, il y avait le Urim Betumim, le Kohen Gadol, il y avait plein de choses. Il y avait le Goral pour hériter la terre. En tout cas, concrètement, ils se sont retrouvés en Eretz. Donc la Yerusha, l'héritage quand on est rentré en Eretz Israël, ça se passait que on va chercher les hommes qui sont sortis d'Égypte. Il y avait là-bas trois enfants, quatre, on va reprendre ceux qu'on a rappelés hier par exemple. Hanor, Falou, Hetzon, Carmi, quatre enfants de Réhouven, eux-mêmes sont sortis d'Égypte, supposons qu'ils sont sortis d'Égypte, on va leur donner quatre parcelles. 40 ans après, alors qu'est-ce qui se passe? Si Hanor et Falou, il ne reste plus de descendants, mais Hetzon, Carmi, il reste des descendants, eh ben on va dire, bah écoute, les parcelles de Hanor, Falou, on va les donner à Hetzon, Carmi, on va les donner, on va les partager aux enfants, comme si c'était un héritage. Maintenant, d'un côté, la Torah me dit de donner à ceux qui sont sortis en Égypte. D'un autre côté, la Torah me dit, tu attribues à ceux qui rentrent en Eretz Israël. Il y a plusieurs déductions de là, mais le principe, il est comme ça. On va considérer que la Torah, elle ne nous a pas donné la terre d'Israël à nous qui sommes entrés en Israël, mais la Torah, elle a donné la terre d'Israël aux Avot, concrétisée par ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est une manière d'exprimer le fait qu'il y a eu l'héritage concrètement. Que ça a été un héritage et que ça n'a pas été une terre attribuée. Elle nous appartient, la terre d'Israël, par héritage de Abraham, Isaac et Jacob, qu'elle a été donnée à eux. Et ensuite, ceux qui sont sortis en Égypte, ceux qui l'ont reçue. Et de ce fait, on va se retrouver avec des lois originales. Maintenant, on en arrive maintenant au fils de Tselophrad ben Khéfer. Il y avait là-bas, à la sortie d'Égypte, c'était des tribus de Yosef, les deux. Il y avait là-bas, Tselophrad, il avait des frères. Et il avait même son père qui s'appelait Khéfer, qui sont sortis d'Égypte. En l'occurrence, lorsque Tselophrad et Khéfer sortent d'Égypte, ils ont théoriquement, potentiellement, chacun une parcelle en Israël. Il faut donner une part à Tselophrad, une part à son père Khéfer. Maintenant, ils sont décédés. Il va falloir donner, c'est ce que la Mishnah nous enseigne, on va donner la part de Tselophrad, on va la donner aux filles qu'elles se le partagent. Ça, c'est une part. Mais il y a encore deux parts que les filles de Tselophrad vont recevoir. Ce sera d'une part, d'abord, la part de Khéfer. Khéfer, elle est sortie d'Égypte. Et lui, on doit lui attribuer une part. Et cette part-là, il faut la partager entre ses enfants. Je crois qu'il y en avait cinq, je ne sais plus, j'ai pas vu dans les psukim. Supposons qu'il y en avait cinq. Et bien on va prendre sa part, sa parcelle. On va la partager. On va donner une part à chacun. Mais pas que ça. Il y a même plus que ça. Il y a une halakha que Bechor Notel Pishnaim. Dans les prochaines Mishnayot, on en parlera beaucoup plus. L'aîné prend une double part. L'aîné prend une double part, ça signifie qu'un père décède. Il laisse un capital. De l'argent, d'accord, de 1 million de shekels. Il avait trois enfants. On va pas dire que chacun va prendre 333 333, mais on va plutôt dire non, on va partager ça en quatre parts de 250, 250, 250, 250. Et l'aîné prend une double part. Donc l'aîné va prendre 500 et les deux autres vont prendre 250. Ok? Idem s'ils étaient 6, on rajoute qu'il y avait une septième part et on donne deux parts à l'aîné. C'est comme ça que l'aîné prend double part. C'est-à-dire quoi qu'il prend double part? C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y avait un fils supplémentaire et puis on partage. Dans mon exemple, ça peut tromper, ça peut prêter à confusion un petit peu l'exemple que j'ai pris parce que il va s'avérer que 500 000, c'est le double de 250. Mais supposons qu'ils étaient, je ne sais pas moi, 7. Alors on ne va pas faire 1 million et le partage en 7. On va dire non, 1 million et on le partage en 8. Et donc ça va faire 125 000 à chacun, 125 000. Et alors l'aîné prendra 250 et chacun des autres frères, des 6 autres frères, prendront chacun 125, 125, 125, 125 et on va se retrouver comme ça avec le million. On a fini maintenant, en théorie, la Mishnah. On relit la Mishnah et puis après j'apporte une précision. Benot Tselophrad natlou shlosha chalakim ben achala. Les filles de Tselophrad ont pris 3 parcelles, c'est-à-dire elles sont venues, quand elles sont venues se plaindre à Moshe Rabbeinu et qu'elles ont eu un gain de cause, elles ont eu le mérite de recevoir d'avoir 3 entrées d'argent, 3 parcelles. Ce ne sera pas des parcelles d'une même taille. Pourquoi? Parce que la part de leur père, donc de ce fameux Tselophrad, qui était lui-même un homme qui est sorti d'Égypte, il est sorti d'Égypte, ça lui revient une parcelle. Tout d'abord, une belle parcelle, parce que lui, ça c'est une part à part entière. Supposons qu'il y avait dans la tribu de Yosef, là-bas, de Ménaché, supposons qu'il y avait là-bas 25 000 personnes, on prend tout le territoire, on le partage en 25 000 parts. Donc déjà, Tselophrad reçoit une belle parcelle pleine. À part ça,
À part ça, le père de Tzlofrad, qui s'appelait Khéfer, lui-même il a eu sa parcelle, il avait 5 enfants, à titre indicatif, hein, je n'ai pas vérifié dans les psukim, mais en tout cas, supposons qu'il avait 5 enfants, on partage maintenant cette parcelle, elles vont recevoir une parcelle en tant que fille de Tzlofrad, qui est lui-même fils de Khéfer, donc elles reçoivent un deuxième bout de terre. Et en plus de ça, Veshaya Bechor Notel Pishnai Notel Shnechalakim. Et comme on le sait, ce Tzlofrad était l'aîné de la fratrie des enfants de Khéfer, donc il reçoit une double part de son père. Donc il reçoit, d'accord, c'est ça les trois parcelles qu'elles reçoivent. Trois raisons de recevoir la parcelle du père, la parcelle du grand-père, et en plus de ça, la double part. La double part du fait que Tzlofrad était lui-même l'aîné. On a fini maintenant la Mishnah. Précision maintenant très importante sur, on a une Mishnah très courte, donc c'est l'occasion de vendre un petit peu d'alachot, surtout que ça va apparaître, je crois, dans la suite du chapitre, un petit peu. En abechor notel beraoui kebemurzak. On a évoqué la halakha que l'aîné reçoit une double part. L'aîné qui reçoit une double part, ça ne concerne pas tout type d'argent, mais uniquement l'argent qui est murzak et pas raoui. L'argent qui est mourzak, qui est pour le moment, qui est détenu en ce moment dans les mains du père et des enfants qui se retrouvent ensuite orphelins, mais pas dans ce qui est raoui lavo, dans ce qui est apte à venir. Soit, si le père a prêté 1 million de shekels et qu'il décède, alors bien sûr, l'emprunteur devra rendre l'argent aux héritiers. Mais lorsqu'il va rendre l'argent aux héritiers, alors on ne dira pas que quand il va amener le million, alors l'aîné prendra une double part. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle Raoui Lavo et ce n'est pas du Mourzak. L'aîné prend une double part uniquement dans ce qui est Mourzak, ce qu'on détient concrètement dans les mains, ce que l'on possède dans les mains. Lorsqu'on a prêté de l'argent, on ne possède plus de l'argent, il y a juste quelqu'un qui a une dette, ça s'appelle Raoui Lavo. Idem sur les héritages qui viennent après le décès du père. Soit les trois frères, je ne sais plus où on en était, trois frères, le père décède, et quelques temps après, il y a l'arrière-cousin qui décède et il s'avère que le seul héritier c'était leur père, donc ils reçoivent une part. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont se partager cette part-là en 3 ou en 4, c'est-à-dire puisqu'ils sont 3 frères, est-ce qu'on va partager ça entre 3 frères ou entre 4 et l'aîné va prendre une double part? Alors il y a une règle qu'ils partageront ça équitablement parce que le Bechor ne prend pas une double part de ce qui est Raoui Lavo, ce qui est apte à venir, prévu qu'il va venir mais qui n'est pas là concrètement. De ce principe, on a un problème dans cette Mishnah. Là, la Mishnah nous enseigne que les filles de Tzlofrad ont reçu une double part parce qu'elles ont reçu la part de leur père, mais je ne comprends pas. Le père, il n'avait pas encore hérité cette terre. Tzlofrad n'était pas là. Khéfer, il est sorti d'Égypte. Tzlofrad, il est aussi sorti d'Égypte, d'accord. Mais quand Tzlofrad, il est décédé, et après Khéfer, il est décédé, ou même avant qu'il décède, la terre ne leur est revenue que plus tard. D'accord. Ouais, je pense que Khéfer, il a dû décéder avant Tzlofrad, je n'ai pas vérifié. Supposons que Khéfer il est décédé avant Tzlofrad, là n'est pas le problème en tout cas. Khéfer il est décédé, ensuite Tzlofrad il décède. Mais la terre elle n'était concrètement pas encore dans leurs mains. Ouais, la terre elle n'était pas encore dans leurs mains. Donc finalement quand ils rentrent en Israël, ils reçoivent finalement la terre. Les filles de Tzlofrad ne devraient pas recevoir la double part. Et justement le chidouche il est de dire qu'on considère spécialement pour la sortie d'Égypte comme si que chacun avait concrètement reçu sa part et avait déjà fait hériter à ses enfants. C'est une halakha spéciale qui a été dite, qui dépend justement du fait que la Torah a voulu donner une allure que lorsqu'on reçoit la terre d'Eretz Israël, on ne reçoit pas maintenant une parcelle au kibbutz de terre, mais on reçoit l'héritage de nos ancêtres. Et pour laisser bien imprégner cette notion-là, alors la Torah a insisté que ce soit sous forme d'héritage, comme si que Khéfer avait concrètement reçu sa part et qu'ensuite, quand il est décédé, il a concrètement donné à ses enfants et donc le Bechor pourra recevoir une double part même si Tzlofrad n'est plus là. D'accord ? Tout ça, c'est expliqué. Ça va être expliqué dans le Bar Tanora. Natlu shlosha chalakim. C'est un détail, si vous n'avez pas compris la nuance, c'est pas très grave. Ça. C'est sûr, c'est enrichissant, mais c'est pas grave au pire. Natlu shlosha chalakim ben achala. Donc les filles de Tzlofrad ont pris 3 parcelles dans l'héritage de la terre. Dans la terre d'Eretz Israël. Vesava et Tana, ce Tana pense, comme la Bible qui dit, que la terre a été partagée à ceux qui sont sortis d'Égypte. Dirtiv, Lishmot matot avotam inchalou. Si vous faites attention dans le psukim, quand on arrivera dans Bamidbar, là-bas, là où vous verrez qu'il y a, quand la Torah promet qu'il faudra partager la terre,
Hachem ordonne de partager la terre. Des fois, elle dit qu'il faut. Il y a une contradiction un peu dans les psukim. Là, on s'intéresse, on met le zoom essentiellement sur le verset qui dit Ishmot matot avotam inchalou. Ils devront hériter selon les tribus, les familles de leurs pères. Donc, c'est les pères qui sont en Égypte qui héritent. Vetzlofrad vechefer aviv. Shneem natlou chelek baaretz. Tzlofrad et chefer son père. Tous les deux ont pris une part d'Eretz Israël puisqu'ils sont sortis d'Égypte. Les Yotzei Mitzrayim et Tchalkaretz. Shemi Yotzei Mitzrayim ayu shneem. Car ils sont des Yotzei Mitzrayim, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient tous les deux. Venatlou bnot Tzlofrad chelek aviyem shaya magi alo baaretz. Et donc, les filles de Tzlofrad ont pris leur part, la part de leur père, que de toute façon ils devaient recevoir. Donc, elles le continuent, elles doivent recevoir. Et en plus de ça, la part de Tzlofrad qui lui revient du fait qu'il hérite son père. Et en plus de ça, le fait que Tzlofrad devait recevoir une double part, puisqu'il était l'aîné de la famille, de la fratrie. Alors là, le partenaire se lève la question qu'on a dit. Bien qu'il y ait un problème concret, quand ils sont sortis d'Égypte, mais ils n'ont pas encore reçu. Lorsque les filles de Tzlofrad entrent finalement en Eretz Israël et qu'elles se partagent avec leurs oncles, elles se partagent toute la Yerusha de la famille depuis Khéfer. Il y a un problème, c'est que maintenant tu vas leur donner une double part, mais c'est du Raoui, c'est pas du Mourzak, c'était pas encore à eux dans les mains. Réponse, donc fin de la question. Et on a comme règle que l'aîné ne prend pas une double part de ce qui est, de ce qui vient, de ce qui lui tombe en héritage après la mort du père. Malgré tout. Eretz Israël Mourzeket Haïta. La terre d'Israël, elle était déjà à eux depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte. On considère, même si concrètement ils ne l'avaient pas encore conquise, mais on considère qu'elle était déjà à eux. C'était déjà Kanoï, c'était déjà acquis depuis Avraham, Israël, Yaakov, après aux Yotzei Mitzrayim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Seder.